everything leads into this. All 12 teams are going to be there. The final stretch to get towards champs. There's so much money on the line. And he takes down all three. You cannot let that happen. Big, big win from Formal. Wow. It's Grip 6 that makes the play. Florida Mutineers are just simply on point. 10-0 for Scraps, and he finds the 11th. An absolute rampage from Decimate right now. The final stretch to champs. It's going to be a hell of a tournament. Assault lines them up. Oh, my word. New York have done it. OGLA, steal it. Luka with the challenge. Octane, unbelievable. Methods gets on the board, baby. It's a massacre. Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce premier soir des CDL Playoffs. Je suis accompagné de mon cher Dims, on va régler évidemment tous les petits soucis de luminosité. Mais Dims, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super, enfin les playoffs qu'on attend depuis autant de temps, mon cher BRK, qui vont enfin débuter. Et puis quoi de mieux pour débuter que notre équipe de Paris Légion pour voir si bah enfin ils ont pu se préparer à être à la hauteur de l'événement. Tout à fait, les Paris Légion, là, ils ont eu le temps de s'entraîner. Hein. Je pense que là-dessus, on est assez d'accord, quoi qu'il arrive. Donc, je règle les derniers petits soucis, c'est le début. On a le temps de faire ça bien avant que le match commence, bien évidemment. On le sait, Seattle Surge contre Paris Legion, ça va être un match extrêmement important. On va voir comment ça va se passer, justement, entre ces deux équipes. On est avec, peut-être, justement, quand même, certaines des équipes, bah, évidemment, qu'on attend peut-être pas aller le plus loin sur ces playoffs, justement, de la CDL, mon cher Dims. Mais il va falloir très vite, quand même, rentrer dans le tournoi pour eux. Parce que ça reste quand même un round d'élimination, quoi qu'il en soit. Il va falloir répondre très très vite parce qu'on commence déjà dans le loser bracket pour ces quatre équipes que vous voyez à l'écran, Legion, Surge, Optic Gaming et Guerillaz. Il va falloir être très solide, Dims. Il va falloir être solide, surtout que on l'a dit, hein, cette position elle est très très inconfortable pour toutes ces équipes qui malheureusement ne s'offrent qu'une possibilité. Et on va retrouver, hein, comme d'habitude, les fameuses clés de la victoire du côté de Paris Légion. Il va falloir rentrer tout de suite dans son match et prendre le meilleur sur son adversaire dans le point stratégique. Ils sont pas forcément adeptes des combats, car justement après avoir perdu le premier HP, c'est généralement on n'arrive pas à revenir côté Paris et aussi forcément se mettre de son côté la recherche et destruction qui reste, on le sait, dans ce système de rencontre et bah, un mode de jeu capital, mon cher BRK, de recherche et destruction dans un BO5, pardon. Mais surtout, et je trouve très intéressant de mettre l'accent dessus, c'est cette entrée en matière que doit avoir Paris Légion pour pouvoir justement aller chercher ces Seattle Surge. Ouais, tout à fait, on sait qu'un Paris doit être très très fort justement, on sait qu'en plus du côté des Surge, de l'autre côté, on doit répondre fort parce qu'on sait que Paris a du mal sur ses débuts de cartes justement, on peut voir 9-17 pour Paris, il faut donner justement, c'est un peu la chance aussi de Seattle, de s'ils arrivent à bien rentrer justement dans ce tournoi derrière, on va pouvoir enchaîner, être très très fort de leur côté. Logiquement, il y a eu des améliorations aussi en SND du côté de cette équipe de Seattle Surge, on va pouvoir observer ça, et on rappelle qu'à la fin de ce PO5, ça va être très rapide quand même, hein, Dims, on va perdre une des deux équipes et ce sera tout simplement la dernière fois qu'on les verra lors de ces CDL Playoffs. Donc c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant qu'il faut brancher l'écran, c'est maintenant qu'il faut tout donner du côté de ces joueurs parce qu'on voit justement avec ce site 10 et ce site 11 justement, on n'a pas pu faire grand chose pour ces équipes là. On a vu une équipe de Paris Legion revenir en fin de saison avec un bon événement, notamment une finale, mais malheureusement ça n'a pas suffi à leur permettre, pardon, de se hisser un petit peu plus haut dans ce classement, Dims. Ouais, et c'est assez dommage, on l'avait vu sur le dernier événement de la saison, cette équipe des Paris Légion qui avait réussi à accrocher ce petit top 8 s'est fait reprendre forcément par les équipes, voilà, qui ont joué, hein, pendant que Paris n'était pas présent, et on le voit, hein, sur ce bracket, ça risque d'être assez difficile, en tout cas c'est un long chemin de croix qui attend notre équipe de Paris, oh, et oui. Je pense qu'il va falloir prendre match par match, comme un petit peu, hein, ces équipes qui commencent déjà dans le loser bracket, on le disait. On aura ensuite, après cette première rencontre, un choc de Los Angeles avec le Optic Gaming face aux Guerillaz, et là aussi un petit peu le même, on a envie de dire peut-être le même profil de match, puisque les Optic Gaming eux aussi sont sortis avec une centaine de points lors de la saison régulière et vont aller
défier des guérillas qui, certes, sont très très bas au classement, mais qui semblaient quand même montrer quelques possibilités, voilà, de petits réveils de temps en temps. C'est un petit peu la tendance principale qu'on a eue sur la fin de saison régulière, mon cher BRK, des équipes, peut-être un niveau entre les équipes, tout du moins, qui s'est un petit peu réduit. On a vu tout de même le gap entre les derniers et les premiers être ralenti. On a vu des équipes qui n'étaient pas forcément données favorites qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu et à élever leur niveau de jeu au bon moment. Et on a aussi vu des équipes qui étaient beaucoup mieux dans la ligue peut-être se faire endormir, s'éteindre parfois, faire peut-être preuve de suffisance. Et on l'a vu, hein, c'est Paris Légion qui ont été demi-finalistes, eux, dans les deux London Home Series, depuis que la maman de Z s'est mise à tout prix pour supporter son fils. Tout est revenu un petit peu en ordre, hein. On l'avait vu, hein, une petite streak loose de 9 matchs qui avait pas forcément fait le bonheur de cette équipe de Paris. Et forcément un Denz qui lui est en 1,11 de KD général. C'est d'ailleurs le seul joueur de sa formation à être au-dessus des 1 de KD, qui va avoir fort à faire sur le plan individuel pour essayer de tirer les siens vers le haut, tout simplement. Ah, ça va être important. On sait, hein, que cette équipe de Paris, on a eu des difficultés tout au long de la saison et on a peut-être utilisé justement ce temps un petit peu de repos. Là, ça fait quasiment un petit mois à peu près qu'on n'a pas joué. Donc il va falloir en tout cas tout donner immédiatement, et on a utilisé justement un peu ce temps-là pour s'entraîner justement un peu les points forts justement, et ce qui a permis de caractériser cette équipe de Seattle Surge tout au long de l'année. On a été demi-finaliste au Chicago Home Series. En dehors de ça, évidemment, on a eu la perte de Karma qui a quitté la compétition, le GOAT qui est parti. On a justement quand même un Octane qui est absolument magnifique dans cette équipe. Est-ce qu'il pourrait réaliser ce genre de performance dans une autre équipe? Je ne sais pas. En tout cas, c'est évidemment un des joueurs à suivre qui pourrait éventuellement faire partie de l'équipe de l'année avec son 1,24 de ratio quand même ultra impressionnant. Derrière, il faut évidemment noter aussi qu'on a été justement un petit peu faible en termes de game et de match win percentage, justement 37% en game et pour les matchs un petit peu plus global, 22% seulement des matchs remportés sur lesquels ils ont joué. On va dire que c'est compliqué. En plus, sur ces victoires-là, 4 des 6 matchs justement remportés par les Seattle Surge ont été face à l'équipe sur le papier la plus faible de la ligue. Ça fait peur pour le papier du côté de ces Seattle Surge. Évidemment, on sait que là, globalement, on prend, on va dire, tout. Et on fait table rase, hein. On est quand même sur un coach humps, on est sur un événement qui en vont logiquement emmener une équipe, pourquoi pas remporter quasiment, il me semble, $2 millions, donc le plus gros tournoi de Call of Duty en termes de cash prize de tous les temps, tout simplement. Dims, on sait que maintenant c'est peut-être le moment justement de faire tout simplement perdre justement et faire mentir un petit peu ces statistiques. Ouais, c'est maintenant ou jamais pour ces équipes-là. Après, on l'a dit, hein, honnêtement, la statistique des 4 victoires, dont 4 victoires sur 6 sur LAG, c'est pas très très bon. Après, t'as soulevé un point important, c'est que ce qui s'est passé avant dans la saison, si je puis dire, c'est du passé. Il faut apprendre à faire table rase. Travailler sur tous les défauts qu'ils ont pu avoir durant la saison, essayer de mettre l'emphase sur leurs points forts pour s'en sortir. Quoi qu'il arrive, il y a une pression qui est forcément sur les épaules de ces 10 acteurs, puisque on n'aura qu'un seul BO5 pour une de ces deux équipes dans ce tournoi, et qu'ils se savent déjà condamnés à un loser bracket run de l'enfer. Ce qui me fait peut-être un petit peu peur pour Paris, c'est on l'a dit, cette entame, je pense que mentalement, ils doivent se mettre en confiance. On l'a vu, les joueurs de Paris Légion, ils sont capables, quand ils sont bien portés individuellement par Denz, qu'ils se mettent lui aussi dans le tempo, on prend tout doucement confiance et on peut véritablement déployer son jeu et être très très dangereux pour l'adversaire. Mais c'est aussi une équipe qui peut-être doute un peu facilement. Et si avec des joueurs expérimentés comme Slack ou Octane, on arrive peut-être à immiscer ce doute dans la tête des Parisiens. On le voit au niveau des pronostics, et Pyro était plutôt de cet avis, visiblement. Il faudra faire attention à ces Seattle Surge, et je pense que l'équipe qui va remporter le premier HP remportera ce BO, honnêtement.
Ouh, c'est cool de la part de Dims. Donc nous, on est confiants quand même hein, du côté des Paris Legion. On pense qu'ils ont le niveau pour aller chercher, pourquoi pas, cette équipe des Seattle Surge. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même très ouvert comme match. Et je pense qu'on est capable de voir de grandes surprises. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir partir d'ici quelques instants dans la game. Comme on l'a dit, c'est un peu aussi table rase pour nous en termes de pronostics. On va voir ce que ça donne justement sur ce week-end, sur cette longue semaine, puis le futur week-end de Chums. Justement, on a pas mal de choses qui vont arriver avec notamment un setup un petit peu plus solide, logiquement, notamment pour le championship week-end de cette CDL. Donc ça va être ultra important de voir ce qui va être fait de ce côté-là, d'une autre. En tout cas, on va essayer de mettre les petits plats dans les grands pour faire ça, on va dire, et pour tout simplement célébrer et couronner le premier champion de cette saison CDL et de cette ligue, tout simplement, de la Code League. Mon cher Dims, là déjà, je vais te mettre on the spot, mais immédiatement, et évidemment, pour en discuter un petit peu plus tout au long de cette semaine et de ce week-end. Si tu avais un champion déjà tout de suite à me donner avant le premier match. Ah, je pense que je me mouillerais pas trop en disant FaZe. Je pense que c'est l'équipe qui a montré le plus de maîtrise. Mais voilà, je pense que ça va se jouer. Je serai pas catégorique. Laisse-moi me remettre un petit peu dans le bain. On va prendre la température sur les premiers matchs. Et non, après, je me mouillerai un petit je peu plus. J'avoue que là, tu m'as pris totalement glacé. Mais oui, comme ça, du tac au tac, je dirais FaZe parce que on l'a senti. Il y a quand même une supériorité, que ce soit individuellement ou en termes d'équipe. Et je pense que c'est une équipe qui est encore capable d'élever encore plus son niveau de jeu pour cette Champs. Il y a une bonne harmonie dans cette équipe. Et je pense que pour eux aussi, c'est maintenant ou jamais. En face, il y a quand même pas mal de vétérans dans leurs concurrents directs, et ils doivent aussi avoir à cœur de se dire bon voilà, on va écrire véritablement une nouvelle ère sur Call of Duty, et les petits jeunes comme Simp par exemple vont avoir à cœur d'aller chercher cette bague cette année, je pense. Tout à fait, ça va être important pour eux. Ils ont fait une année absolument fantastique et ils sont clairement dans les favoris. On l'a vu en termes de classement, ils sont au top. Ils n'ont pas vraiment grand chose à perdre. Et je pense que même en te prenant un froid, je pense que globalement t'as une très bonne réflexion parce que je pense que ça reste quand même une équipe extrêmement favorite. Et je pense que c'est potentiellement, on va dire, un tournoi avec quand même pas mal de surprises, on va dire. Ça reste quand même un tournoi en online, évidemment, suite aux conditions sanitaires. Évidemment, ça on peut rien y faire, et c'est cool quand même d'avoir de la compétition. C'est quand même ça qu'il faut se dire, c'est que on aurait pu ne rien avoir cette saison et être vraiment dans une saison un peu blanche. Là, cette fois-ci, on arrive quand même à sortir, notamment du côté d'Acti, d'avoir vraiment, on va dire, on a quand même tenter de mettre les petits plats dans les grands, essayer de faire ça bien, et je pense qu'on va avoir quand même un très très beau spectacle. Donc il va falloir du côté de ces équipes tout donner, et justement un peu montrer qu'on est capable aussi de faire un petit peu la différence du côté de ces équipes, et de montrer et de faire un peu la surprise. Je pense qu'ils en sont capables. Est-ce que ça va venir de Paris Legion? On aimerait énormément, on va pas se le cacher. Après, ça va être compliqué quand même. On sait qu'en partant de avec ce format, en partant de très très loin, c'est-à-dire que là ils sont dos au mur, mais dès le début. Forcément, suite à leur résultat cette saison, c'est normal, c'est plutôt, on va dire, mérité pour eux. Maintenant, il va falloir tout de suite rentrer très très rapidement dans ce premier BO et oublier tout le reste de la saison, partir, tout dérouler, faire son jeu et tout simplement tout donner de leur côté. Je pense que ça va être la priorité, et on va voir si justement les Surge, avec qui ont eu énormément de changements dans leur équipe, avec les départs de Karma, etc., vont peut-être buter sur cette équipe qui a... Bah, certes, on va dire, eu des difficultés, mais avec quand même, on va dire, une stabilité. C'est la seule équipe, une des seules équipes à n'avoir fait aucun changement, je crois, cette année. Peut-être que Brizix peut me corriger, mais je pense que c'est peut-être l'équipe qui n'a fait aucun changement. On avait exactement les mêmes 5 joueurs lors du premier week-end d'ouverture à Minnesota. Donc là, cette fois-ci, il y a eu des changements, évidemment, dans cette équipe de Surge. On ne retrouve plus Karma, on n'a pas Endure qui est arrivé dans la line-up. Donc il y a quand même pas mal de choses à réfléchir, et ça va être assez intéressant de voir qui, justement, de ces Paris Legion très stables tout au long de la saison, ou alors de ces Seattle Surge qui ont fait des changements, vont pouvoir tout de suite bien rentrer dans ce coach Dims. Exactement, mon cher BRK, et on va partir sur le premier HP. On le disait, premier HP qui est d'une importance capitale pour la suite de ce BO5, bien évidemment, mais aussi pour Paris qui a statistiquement beaucoup plus de mal à remporter des rencontres lorsqu'il cède cette première carte de points stratégiques. Il va donc s'agir de se concentrer et de mettre du rythme immédiatement côté Paris Légion. On est avec Lucas justement qui va envoyer un petit peu de stuff en ce début
de partie. Z qui va aller chercher immédiatement le top, qui se met, qui a pu prendre un bon premier kill sur Apathy à la grenade. On va essayer de sécuriser assez haut ce mid-map avec, vous voyez, une position assez avancée de Z. Il va y avoir du monde sur la gauche, il va essayer de pousser, il a manqué cruellement de timing là, mais c'est Luca qui n'est pas resté naïf au niveau de cette longue et qui a pu prendre un bon double kill. Beau travail là pour le moment de Slay de la part des Paris Légion, mais ce sont bien les Seattle Surge qui se sont réveillés un petit peu avec un bon doublé de la part de Slack qui va continuer de mettre la pression au niveau de cette patronne. C'est Z qui va essayer d'aller le chercher, il va pouvoir prendre un kill, peut-être le deuxième de la part de Slack. Non, c'est finalement Dance qui va se débarrasser de son adversaire, et les joueurs de Paris qui ont réussi à retourner les spawns, hein, et à récupérer justement cette possible transition au niveau du P2. Le plus dur est fait côté parisien. Désormais, il va falloir défendre, on va dire, la toute dernière vague des Seattle Surge pour éviter de réoffrir les spawns. Et j'ai l'impression qu'on est passé un petit peu dans le doigt. Attention tout de même à Apathy qui va avoir une position intéressante, mais tout de suite il va se faire reprendre. Et on a bien réagi aussi du côté de Shox, il a mis plusieurs balles à son adversaire. Je pense que les spawns sont toujours dans les mains des Parisiens, mon cher BRK. Et c'est une belle opération pour eux qui vont commencer à récupérer des points sur cette monnaie, non? Ouais, tout à fait, c'est important, comme tu l'as dit justement, récupérer ces respawns dès le début de la carte, c'est décisif pour les Parisiens, ça va leur permettre d'engranger une belle avance logiquement. Si on arrive à tenir notamment du côté de Denz ici au niveau des respawns, qui va avoir fort à faire, énormément de stuff qui arrive du côté Surge, c'est bien réalisé de leur côté. Luca qui répond avec un gros double derrière, on arrive également à faire l'équipe du côté de Kismet et Z à l'intérieur du point choc, ce qui vient également apporter sa pierre à l'édifice. Proto qui va lui tenter de rester en vie tant bien que mal, mais c'est compliqué, et justement les Parisiens arrivent à bien gérer justement ce hold en repoussant les joueurs, on va dire, Seattle Surge du même côté. Ça permet à Dance et à Kismet notamment de faire le travail, et comme tu l'as dit, on arrive à engranger des points, on arrive à prendre de l'avant sur ce deuxième point stratégique, et ça c'est ultra important. On peut déjà voir notamment le numéro 5 parisien, vous le voyez en bas à gauche de votre écran sur la mini carte, et au-dessus du joueur justement, il est déjà prêt à la rotation, prêt à en découdre justement, et des Parisiens déjà présents à la rotation, chose qui normalement n'est pas censée arriver quand même, Dimsin. Lorsqu'on a le P2, on n'est pas censé avoir la rotation P3, et pourtant Paris est en train de le faire. C'est de très bon augure pour l'instant pour nos Parisiens. Ouais, c'est très bon signe ce qu'on est en train de voir, pardon, mon cher BRK, en ce début de game. D'abord parce que les joueurs parisiens n'ont pas eu le bon spawn pour avoir cette transition P2. Ils ont réussi à retourner les spawns, à garder les spawns et la position pour le P2. Et derrière, comme tu l'as dit, en plus, confronter les Seattle Surge à perdre cette rotation P3. Et là, on est obligé de redoubler d'efforts du côté d'Octane et de ses coéquipiers pour offrir un slay de qualité et essayer d'aller marquer des maigres points. Pour le moment, on garde toujours le lead du côté des Paris Légion qui sont très très bien rentrés. Tu l'as dit, mon cher BRK, dans cette carte de points stratégiques. 64 à 26 désormais en faveur de notre franchise française qui va essayer justement d'aller chercher ce P4. Vous le voyez, on a beaucoup de monde, hein, déjà énormément de présence. Il me semble que c'est Shox qui est parti jouer les troubles faites. Malheureusement, il se fera reprendre assez rapidement par Kismet. Luca Z avec un bon triple kill. Et Slack très intelligent qui est venu attendre Kismet là. Mais encore une fois, on a eu la transition côté Paris. On est en train tout simplement de dérouler là. Et on assiste quand même à un très très bon début de game. On le voit notamment au niveau des scores, hein. 11-7 pour Luca qui est en série de 4. 13-8 pour Kismet. 10-6 pour Shox. Derrière, ça suit parfaitement bien. Et même si on n'a pas énormément de présence dans le point, et bien regardez les Seattle Surge, aucun joueur des Surge n'a passé plus de 10 points dans la heap depuis le début de la carte. C'est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer pour le moment. Ouais, personne n'arrive à mettre vraiment ce qu'il faut pour cette équipe des Seattle Surge. On n'arrive pas à trouver la différence, on remporte pas assez de kills, et même en termes de slay, on peut le voir, tu l'as bien montré en termes de secondes à l'intérieur du point, mais aussi il y a seulement Slacked qui arrive justement à sortir un peu la tête de l'eau, alors qu'on n'attend pas justement que Slacked peut-être nous fasse les meilleurs des games de son côté. Évidemment c'est un bon joueur, mais il va falloir aussi notamment surveiller du côté de Octane qui pour l'instant passe un petit peu à côté de sa game. 9-12 pour l'instant pour lui, c'est assez adhésant. Il va falloir repartir de l'autre côté maintenant et essayer de faire la diff avec justement pourquoi pas Dance au niveau du milieu de la carte qui va lui tenter d'aller éliminer Apathy. Ce sera très bien fait du côté d'Apathy. Z qui va tenter de garder cette position, et pour l'instant c'est Octane qui va enfin tenter de me faire mentir peut-être au niveau de ce P5. On va tranquillement s'y diriger encore une fois en faveur de ces Parisiens. On n'arrive pas à trouver la différence, hein, du côté des Seattle Surge. Enfin peut-être les kills notamment de la part d'Octane. Il est en série 2 pour l'instant, lui qui était un peu en difficulté depuis le début de cette game. Il va falloir enchaîner, il nous faut justement un très très bon Octane pour tenter de nous montrer un meilleur visage. Il va falloir enchaîner, tenter de repartir, mais ça ne passe pas pour les Seattle Surge qui restent
bien dominé par cette équipe des Paris Legion qui devrait pouvoir assurer ses 15 dernières secondes. Du côté de Select, on abandonne un peu ce point et on va tenter d'arriver un petit peu dans le dos. Mais à la fin de cette première rotation, Dim 155 à 36, pour l'instant, véritable démonstration de la part des Parisiens. Il va falloir continuer et enchaîner de leur côté en récupérant une nouvelle fois ce P2. En tout cas, on s'y dirige pour l'instant. Ouais, il va falloir faire un gros travail là, hein, côté Seattle Surge, parce qu'on est en train de littéralement prendre l'eau depuis le début de cette rencontre. 160 à 36 désormais, et encore une fois, une énorme présence parisienne au niveau de ce P1. Vous le voyez, on ne se précipite pas non plus sur le point, on arrive à garder une position assez haute, et le problème c'est qu'on va devoir se donner côté Seattle Surge, et là, tout le travail des Parisiens va être de les éliminer et de pousser un petit peu dans leur dos. On va avoir un kill très important du côté de Shox, qui a pu justement éliminer Proto. Il va être rejoint, je pense, par Slack dans le dos. Et si on arrive à prendre ce kill et on a réussi à le prendre du côté de Z, on va pouvoir progresser. Regardez sur la gauche de votre minimap, enfin tout en haut, mais sur le côté gauche de la map. Et forcément, ça va obliger Bender à back. Pendant ce temps-là, c'est Dance qui va aller mettre énormément de pression dans le camp de ces joueurs des Seattle Surge. Et les points qui continuent d'aller dans la besace des Parisiens, 171 à 44 désormais, mon cher BRK pour le moment. C'est une véritable leçon de points stratégiques que les Parisiens sont en train d'infliger à ces Seattle Surge. Et on le disait, hein, une des clés, c'était de rentrer un petit peu manu militari dans cet HP. La mission est parfaitement remplie désormais. Il va falloir tenir et continuer à mettre de la pression sur l'adversaire du côté de Paris. Et là, on a réussi à bien débreak tout de même côté Seattle Surge. On a récupéré le point. On n'a toujours pas récupéré les spawns cependant. Et on voit les joueurs parisiens qui vont pouvoir faire à nouveau un bloc et une ligne défensive pour repousser les assauts des Seattle Surge. C'est très bien fait de la part des Parisiens, tu l'as dit, c'est justement un moment ultra important pour eux. On sait qu'ils doivent rentrer très bien dans ce match pour espérer quelque chose justement de ce BO, et pour l'instant ils le font magnifiquement bien. Il va falloir continuer comme ça et déjà clôturer la map très rapidement pour rester en confiance et pour tout de suite mettre la pression à cette équipe des Seattle Surge qui vont devoir tout de suite répondre en SND, mode qui leur va plutôt bien. Mais on a vu que les Parisiens justement étaient capables aussi de nous montrer un très gros niveau de jeu sur les modes un petit peu plus classiques comme la SND. Il va falloir tenter de repartir et de faire la différence avec Z peut-être au niveau ici de la gauche, au niveau de ce P3. Il est un petit peu esselé de joueur anglais là, mais ça va être, il va pouvoir se retourner, rester en vie, c'est important ce qu'il est en train de réaliser. Il va avoir justement l'aide des copains et tout le monde va pouvoir passer au niveau de ce P3. On va pouvoir mettre pas mal de pression, on va attendre les coéquipiers Lucas qui fait le travail, on va pouvoir aller chercher un kill extrêmement important. Il y a eu un -3 du côté Serge, mais regardez où réapparaissent les joueurs américains très loin, et ça va encore une fois être très positif pour les Parisiens, notamment Lucas là ici qui va se mettre en glitch, être bien positionné, pouvoir attendre Apathy qui va pouvoir l'éliminer, mais peu importe, on s'approche très dangereusement des 250 points du côté de Paris, et ça semble très très positif à l'aube justement de ce futur P4. Il va falloir aller le préparer tout doucement du côté des Parisiens, mais juste tout simplement en remportant quelques duels supplémentaires, on va pouvoir mettre ces joueurs des Surge dans une situation catastrophique, et là, ça va devenir très très compliqué pour eux. Pendur qui sort un peu la tête de l'eau, 21-20, c'est ok, on va dire, du côté de Pendur, mais il va falloir montrer quand même un meilleur visage sur la suite, évidemment, de cette carte. Si suite il y a, si les Parisiens n'arrivent pas à terminer éventuellement sur le P4, mais en tout cas, on est très bien parti, justement, pour les joueurs emmenés par Dance, là, qui nous fait également une bonne game. Il va falloir tenter d'aller prendre un maximum de points gratuits au niveau de ce P4, et pourquoi pas terminer sur le P5. Est-ce qu'on peut même potentiellement terminer sur le P4? Oui, on peut le faire, mais est-ce que ça va être si simple que ça, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, Shox met de la pression ici au niveau du front. Ouais, Shox qui fait un gros travail de sap là au niveau de ce point, tu l'as dit. Alors il sera compliqué pour les joueurs parisiens de venir terminer sur ce P4 vu qu'il est assez ouvert, mais ils ont réussi encore une fois à venir break les Seattle Surge et à repousser leurs assauts pour les faire totalement spawn out. Et le problème dans ce cas là c'est que d'abord on ne marque pas de points bien évidemment du côté des Seattle Surge qui vont assez difficilement passer la barre des 100 points peut-être sur ce P4 et encore. Et c'est surtout que le travail de sap qui est fait par les SMG des joueurs de Paris leur ont permis de récupérer, de grappiller quelques points, et on est désormais complètement au pied du mur côté Seattle Surge. Certes, on va aller chercher un petit peu ce garbage time comme on le dit si bien, mais voilà, la transition est complètement aux mains des Parisiens qui ne seront absolument pas inquiétés. Vous pouvez regarder votre minimap, ce sont bien les Paris Légion qui vont venir s'imposer dans cette première carte de points stratégiques. Mon cher BRK, on l'avait dit, on a besoin d'une équipe qui rentre tout de suite dans les débats. C'est chose faite avec une véritable leçon lors de cette première carte. Bravo. Magnifique, magnifique de la part des Parisiens. On arrive à bien repartir, faire la différence, plus 140, c'est vraiment de quoi bien débuter ce BO et tenter
d'envoyer tout de suite les joueurs des Surge à la maison. On sait qu'on est capable de le faire du côté des Parisiens et on avait vu dans les statistiques évidemment que Paris était en difficulté sur leur première game tout au long de la saison. 9-17 il me semble en termes de record. Voici la dixième map remportée, celle-là c'est la plus importante pour l'instant pour les Parisiens pour espérer quelque chose dans ces CDL playoffs bien évidemment. C'est maintenant qu'il va falloir tenter de repartir de plus belle et de tout donner du côté des Parisiens. Petit aperçu, petit coup d'œil justement au niveau des statistiques à la fin de cette première game de ces playoffs, justement très bien réalisé hein, de la part de Lucas, justement 33-21, on a été solide, tout le monde a répondu présent, tout le monde en positif du côté des Parisiens, c'est de bon augure. Proto qui passe totalement à côté de sa game hein, quand même mon cher Dimps, 11-27 de son côté, c'est pas le genre de performance qu'il va falloir justement refaire du côté de Proto pour espérer quelque chose pour ces joueurs des Seattle Surge. C'était compliqué. Je pense que du côté de Seattle, on s'attendait pas forcément à avoir un début de Paris aussi haletant. Et c'est surtout le beau travail collectif, on a envie de dire, de cette équipe. On l'a vu, ils sont rentrés très très agressifs. Ils ont été chercher les kills très haut, très rapidement. Ils ont réussi à contester les prises de spawn, à contester les rotations, et on les a rarement vus en danger en fait sur cette carte, pour ne pas dire absolument pas. Donc c'est de bon augure. Maintenant il va falloir emboîter le pas sur la recherche et destruction. On sait que les Seattle Surge, voilà, c'est pas forcément un mode de jeu dans lequel ils brillent non plus. C'est assez compliqué aussi pour Paris, mais voilà, c'est quand même un mode de jeu dans lequel ils ont je trouve leur chance. On le voit, un 27% de win rate hein, pour les Seattle ouais. Surge sur toute la saison. C'est tout simplement l'équipe qui performe le moins dans ce mode de jeu. Et ce sera intéressant aussi hein, de suivre pour une potentielle victoire, je dis bien, de Paris Légion, les Subliners et les Rockers qui, il me semble, si je dis pas de bêtises, le perdant de ce match-là sera donc l'équipe qui va affronter Paris si Paris passe en deuxième tour loser. Et ce sera aussi des stats à prendre en compte parce que dans ce genre de rencontre, dans ce genre de match à haute intensité, les recherches et destructions font vraiment toute la différence. Ça va être ultra important, on le sait, et finalement, on l'a bien vu que ces Surge, on n'arrive pas tout au long de cette saison à rechercher destruction. Il va falloir maintenant repartir de plus belle pour ces Parisiens. Et on les a vus justement avec un meilleur visage sur cette première HP. Ils arrivent à bien rentrer dans le match. Ils ont fait le plus dur. Ils ont clairement fait le plus dur. Maintenant, il faut continuer, il faut dérouler. Lorsque tu mènes 2-0 derrière dans un BO5 avec autant d'enjeux, ce serait dramatique, mais ce serait très compliqué quand même de le lâcher, celui-ci. On voit que pour l'instant, on va dire que la France, que ce soit dans certains sports ou dans d'autres, justement, disciplines, on est plutôt pas mauvais en ce moment. Il va falloir rebondir peut-être pour Lyon. Mais de l'autre côté, on est plutôt bien parti quand même pour ces Parisiens. Et là, on sait que c'est maintenant, il faut rien lâcher. Il faut clairement rien lâcher du côté des Legion. Il va falloir maintenant passer la seconde, mais on a clairement vu que j'ai l'impression de voir un step up. C'est compliqué à dire quand même face à une équipe de Surge qui est totalement passée à côté de cette première game, Dimps, mais on sent quand même que peut-être l'entraînement a payé. On voit justement des joueurs en confiance avec peut-être un petit peu plus d'entraînement, enfin un petit peu de pause et de temps pour retravailler, parce qu'on a eu quand même beaucoup d'événements hein, qui se sont enchaînés lors du mois de juillet. Je crois qu'on en a commenté 3 ou 4 il me semble, dont 3 d'affilée, quelque chose comme ça. Donc c'était assez intense, que ce soit pour nous ou pour les joueurs. Donc globalement, évidemment, c'était compliqué dans ces situations-là de terminer un event, on va dire, le dimanche et derrière de voir enchaîner. C'était un peu compliqué pour eux aussi de repartir de plus belle. Imagine, tu te fais sortir 2-0, tu perds tes deux matchs et tu repars entre guillemets à la maison. Derrière, tu dois repartir le lundi matin à l'entraînement. Comme tout le monde, c'est un peu compliqué de repartir après des défaites. Et pour l'instant, Paris est en train de nous montrer qu'ils sont capables justement de rebondir et après une saison tumultueuse de nous montrer un très beau visage. On est parti dans cette recherche et destruction avec un homme à surveiller peut-être au sniper. Il s'agit d'Octane, mon bon Dimps. Octane qui forcément fait partie de ces joueurs qui vont rester dangereux tout au long de cette confrontation. Dance avec un très bon open kill sur Apathy qui va pouvoir tout de suite donner l'avantage numérique à son équipe. On va bien évidemment être un petit peu plus patient hein, du côté des Paris Légion puisque on débute sur le side défensif. On va devoir faire le jeu. Et justement c'est Lucas qui est venu connecter directement sur Octane. Et là ils viennent de s'enlever une sacrée épine du pied. Surtout sur cette carte, on sait hein, l'importance des snipers, l'importance de la prise de longues lignes qui permettent de couvrir une grande zone, qui lui aussi accorde son violon pour aller chercher
le kill sur Pender et qui va même se targuer d'un bon double kill avec cette élimination sur Slacked. Proto est un petit peu condamné à l'exploit 1 contre 5, une bombe à poser. Autant vous dire qu'il a absolument tout à faire et va tout simplement se faire bait par Luka. L'adversaire qui arrive dans le dos assez simplement. Hein. Belle manche de la part des Paris Légion qui voilà, ont déroulé tranquillement. On prend les pics, on joue de manière assez agressive et on capitalise voilà, sur les bonnes ouvertures. Comme je l'ai dit, je pense que l'équipe qui gagne l'HP va remporter ce match et je mettrai quand même ma petite pièce sur Paris pour cette recherche et destruction. Ils ont l'air peut-être un petit peu plus à l'aise dans l'exercice. Tout à fait. Sur le papier, en tout cas, ils le sont. Sur ce premier round, ils le sont également. Personne n'est tombé. Kismet qui a fait un bon travail et derrière seulement Shox qui était un petit peu plus timide dans ce premier round. On va justement le surveiller et voir s'il est capable de faire la différence. Pour l'instant, c'est Zed qui va tomber, c'est Proto qui va lui pouvoir enchaîner. Est-ce que Panturo Sniper aura un petit peu plus de réussite qu'Octane lors du premier round? Dance, il va pouvoir récupérer le bon frag sur Slack simultanément. Octane au niveau de ce côté droit qui, lui, pour l'instant, ne voit personne. On va pouvoir enchaîner, je ne sais pas, mais Apathy qui va voir ses coéquipiers entre deux kills à l'image de Pandure et Octane ici maintenant. Il ne reste plus que Kismet et Dance, deux joueurs australiens, pour tenter de renverser la vapeur ici sur cette recherche à destruction. Ils sont plutôt bien placés, ils sont quand même sur un endroit assez atypique, on les attend pas justement pusher à cet endroit-là. Ça pourra leur permettre peut-être de récupérer ce BPB, de poser la bombe pour Kismet, de surprendre un peu cette équipe des Seattle Surge pour espérer quelque chose de cette situation de 2 contre 4. Dance est très très loin justement en termes de distance face à Proto. Pour l'instant il va simplement rester en vie, qui se met, qui va arriver probablement dans un bon timing au niveau du mid-map. Il va falloir être solide du côté de Dance parce que c'est lui qui va avoir énormément de travail à faire pendant ce temps-là. Mais Octane qui va bien justement pouvoir l'éliminer. On va pouvoir peut-être éliminer le diffuser. C'est bien fait. On garde la position. 20 secondes restantes à jouer. Les joueurs des Surge qui doivent justement éliminer Kismet. C'est compliqué. Qui lui doit seulement tuer des amorceurs. Mais est-ce que ça peut suffire? Non, trop compliqué cette fois-ci. Kismet qui ne pourra rien faire. La bombe qui va être désamorcée. Les Surge qui ont plutôt bien géré cette situation. Un peu dommage peut-être de s'être un petit peu trop espacé du côté des Paris Legion. On a tenté quelque chose du côté de Kismet. Ça a laissé Dance, on va dire, dans une situation compliquée à gérer. Et se faire un peu éliminer dans le dos dans cette situation-là, ça leur a coûté plutôt cher. On égalise tout de suite du côté des Surge, mais encore une fois, les Paris Legion qui montrent un beau visage sur ce second round, ce qui leur permet, je pense, d'y croire dans ce troisième round de recherche et destruction à venir. Ouais, ils ont le droit d'y croire. Je pense que, voilà, forcément, en amont hein, de ces playoffs, vu les stats des Surge, vu le pourcentage de winrate, on a dû mettre l'accent sur ces recherches et destructions pour essayer de peut-être voir les mauvais côtés, les petits défauts qu'on pouvait avoir. Et Octane qui vient sécuriser un gros double kill là d'entrée. C'est dommage parce qu'on s'est un petit peu donné côté parisien. Et là, Slack t'en a profité dans le, on va dire, un petit peu dans le brouhaha pour aller chercher ce kill sur Shox. Et Denz et Zed vont être encore une fois condamnés à l'exploit. Zed qui va tout de même pouvoir prendre le kill sur Apathy, mais Octane en embuscade qui va essayer de lancer du stuff. Slack et Proto au niveau de ce bomb site. Proto qui va faire tomber Denz et forcément on a Zed qui est désormais condamné à l'exploit. Lui qui est seul, qui va aller chercher tout de même un bon kill sur Pender. C'est bien fait, situation d'un contre 3 désormais, il est en défense. Et je pense qu'on est en train de poser la bombe. Côté Seattle Surge a été fait, la bonne couverture pour les Surge qui vont mettre leur deuxième point dans cette recherche et destruction. Mon cher BRK 2-1 désormais en faveur des joueurs de Seattle. Ouais, bien joué, les joueurs des Seattle Surge qui bénéficient justement de ce gros double open kill d'Octane qui arrive également à terminer la manche là ici avec un bon frag à la M4 qu'il avait ramassé au sol. On bénéficie justement de cet avantage numérique et on concrétise bien derrière du côté de ces joueurs des Seattle Surge. On va partir de plus belle maintenant pour les Parisiens dominés sur ces deux dernières rounds. Il va falloir montrer un meilleur visage avec pourquoi pas un changement de stratégie ici au niveau de ce côté droit. On va tenter d'aller récupérer justement ce bomb site B qui se met, qui ne prend pas trop de risques. On va suivre son coéquipier Z qui a la bombe sur le dos. Shox pendant ce temps là qui est en train de faire du grabuche sur l'autre bomb site et de causer beau, de prendre beaucoup d'attention justement. Mais Proto attendait bien les joueurs quand même hein, des Parisiens sur ce BP. On décide de ne pas poser du côté de Kismet. Attention, peut-être la bombe qui aurait pu être posée hein, là si jamais on avait pu faire la différence. Luka encore une fois au sniper ici. On va pouvoir réussir à prendre ce qui ne sera pas le cas. On va pouvoir peut-être enchaîner maintenant avec
qui se mettent au niveau du milieu de cette carte. Slakt, bien positionné, qui va tenter d'aller rentrer au niveau de ce top. Pour l'instant, ça laisse Slakt et Apathy en situation très compliquée de 2 contre 4. La fumigène qui est posée, Slakt qui peut peut-être espérer quelque chose. Il va pouvoir éliminer Dance, logiquement, c'est bien fait. Situation de 2v3 maintenant, Apathy qui arrive à trouver un kill aussi. Attention, on a encore la fumigène qui peut peut-être les aider, cette fois-ci on ne l'a plus. Et maintenant, là, ça va devenir très compliqué. Shox qui a la ligne, Shox qui va pouvoir éliminer ses deux adversaires. Très bien réalisé la part des Legions. Petite pause en B, encore une fois, une de leurs petites spécialités pour l'instant depuis le début de cet SND. On sent que c'est travaillé. Il va falloir maintenant repartir de plus belle et tenter d'aller chercher ce cinquième round pour repasser en tête. Égalisation du côté parisien. C'est bien fait hein, pour Paris de ne pas laisser l'adversaire s'envoler trop rapidement au score, de ne pas offrir aussi de possibilités de break hein, trop tôt dans cette recherche et destruction. Ça permettrait, voilà, après la petite débâcle subie en point stratégique, pardon, de se remettre dans le match et de se relancer côté Seattle Surge. Alors il y a un homme vraiment dangereux qu'il va falloir arriver à neutraliser, c'est bien évidemment Octane, là qu'on voit hein, sur votre écran, et regardez... Hein, il n'a pas l'oracle, mais il sait que ça peut arriver. Tout de suite, il va venir encore une fois prendre un pic sur Lucas. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait 3 manches d'affilée, hein, qu'on tombe au même endroit du côté de Lucas et on y retourne sans véritable contest. On se donne un petit peu. Cependant, Shox a pu prendre le kill sur Slakt à la grenade et il va même mettre des balles assez sérieusement à un de ses adversaires. Il me semble que Proto était lui aussi en embuscade. Voilà, avec la bombe. Octane, encore une fois, qui vient sécuriser un deuxième kill sur Kismet avec... cette belle ouverture au niveau de la river, on va pouvoir pousser du côté de Proto. Il a été vu, il est sans doute attendu, hein, puisqu'on a eu un certain pré-shot. Attention tout de même, Dance qui va pouvoir prendre le kill sur Proto, Apathy qui est attendu et qui va prendre le kill sur Dance sans tomber. Heureusement pour les Parisiens, Shox était bien concentré. Situation de 2 contre 2 et de 1 contre 2 désormais, puisque Octane vient de sécuriser son troisième kill au sniper dans ce round. Le jeu est à faire pour... Z qui va pouvoir prendre un premier pic sur Octane et qui va directement se cacher. On doit aller poser la bombe, hein, forcément. Et on va courir sur ce BPA. Z qui a décidé de ne pas check. Est-ce qu'on aura mathématiquement le temps de poser? Oui, on a commencé quand même assez tardivement, mais on aura le temps. Et c'est dommage, hein, parce que là, on s'est un petit peu offert du côté de Z. Et ça va être compliqué d'aller chercher cette ligne en head glitch. Il prend des risques, Z. Il prend des risques et il va finir par faire tomber Pender. Quelle belle gestion d'un V2, même un V3, je crois, hein, pour Z qui est d'abord parti chercher ce kill au niveau de la river, qui ensuite a pu prendre une bonne revenge et qui a su temporiser. Et malgré la pause de la bombe, il a pu aller chercher ce clutch et sécuriser le troisième round de Paris dans cette recherche et destruction. Très bien joué de la part des Parisiens, encore une fois, Z qui fait un... travail ultra important sur ce round, comme à son habitude. Il arrive à vraiment sortir du lot lorsqu'il faut le faire du côté de Z. On l'a vu notamment réaliser de grosses recherches et destructions lors des précédents événements. Ça va permettre à son équipe de repartir de plus belle maintenant et de prendre l'avantage alors qu'on était en situation vraiment compliquée. Tu l'as dit, un V2, un V3. C'était un peu compliqué à gérer pour l'instant de l'autre côté. On est en difficulté là du côté des joueurs des Surge. On se base encore une fois beaucoup sur Octane, mais Octane ne peut pas tout faire malgré qu'il ait tous les kills additionnés de son équipe pour l'instant. Pendure au niveau de ce côté gauche qui ne verra personne. Plutôt bien positionné au niveau de cette petite tranchée, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Slakt qui va tenir la position. Octane est au niveau de ce côté droit. Pour l'instant, ce n'est pas réalisé. Ce n'est pas concrétisé plutôt du côté d'Octane. Je crois qu'il va tenter le petit shot ici, en tout cas pour au moins détruire ce trophy. Je pense que c'est fait. Pendure au niveau de ce côté gauche qui va lui tenter de garder encore une fois cette ligne. Pour l'instant, on se dirige pas du tout vers le B, mais on est obligé d'investir un joueur hein, sur cette longue B. Face à Paris, on l'a bien vu qu'ils appréciaient grandement cette longue. Octane, encore une fois, double kill dans un moment ultra important au milieu de ce round. Et on va pouvoir enchaîner avec Slakt ici au niveau de cette défense. Les Parisiens qui ne peuvent pas passer, qui n'ont pas trouvé la faille dans la défense des Seattle Surge. Et ça va leur permettre de tout de suite égaliser au score 3 partout dans cette recherche et destruction. Surge qui nous montre quand même un bon visage ici sur ses défenses. Avec surtout un Octane qui fait un travail, que ce soit début ou milieu de round, toujours ultra décisif. Ouais, c'est ce que j'allais dire au-delà des Seattle Surge, peut-être c'est surtout Octane qui actuellement est en train de littéralement porter ses coéquipiers et
On se demande toujours hein, comment un joueur d'une telle qualité a pu atterrir dans une équipe peut-être aussi faible. Hein. Les mots sont forts, mais on le voit hein, au niveau du tableau des scores. 11-3 pour Octane qui vraiment n'est pas un cas isolé. Hein. À chaque fois, à chaque game, dans n'importe quel mode de jeu, quasiment, c'est toujours lui qui va être top scorer et tout le monde est loin derrière. Et forcément... C'est compliqué, ça ne fait pas les affaires des Parisiens qui en plus vont subir l'open kill avec Z qui va tomber, Shox encore une fois qui va connecter une très très belle grenade sur Proto et qui va pouvoir aller se repositionner. On est en défense, on a peut-être poussé un petit peu loin du côté de Z. Alors certes, on cherchait un timing de flanking intéressant, mais ce n'est pas passé. Octane lui qui est toujours aussi vigilant avec ce sniper qui va voir un de ses adversaires passer. J'ai bien l'impression que on est un peu en mode chasseur là du côté d'Octane, on ne prend pas trop de risques. On essaye de prendre un maximum d'informations. On va devoir se mettre en mouvement du côté des joueurs des Seattle Surge qui vont visiblement entamer une grande rotation sur le BPA. C'est pas forcément la meilleure chose à faire vu qu'on le voit, hein, y a trois joueurs présents de Paris. Mais voilà, comme on a Dance qui est tombé au niveau de cette longue baie, on va rotate à deux et on oublie complètement l'arrivée au niveau de ce bomb site. Regardez, on a complètement abandonné le A. Alors ça, c'est vraiment une erreur tactique à ne pas faire et qu'on ne devrait pas voir à ce niveau-là. Hein. Toujours au moins laisser un joueur qui peut check la possible arrivée sur un BP. Hein. On peut parfaitement fake hein, du côté des Seattle Surge et c'est ce qu'on a fait. On s'est redirigé immédiatement et derrière Octane qui fait le café. Les Seattle Surge qui vont repasser devant 4-3 désormais. Mais quel manque de vigilance là de la part des Parisiens qui ont offert ce BPB au Seattle Surge qui ont su en profiter, mon cher Berk. Ouais, c'était un peu gratuit, c'était donné, au moins garder l'information, tu l'as dit, avec un joueur aurait été intéressant, même si le joueur ne se jetait pas, il aurait pu attendre ses coéquipiers potentiellement. Là, malheureusement, comme tu l'as dit, on perd tout info et on offre un bon site totalement offert avec personne, on va dire, en embuscade, capable de surprendre un petit peu et derrière, bah tu... forcément... Une fois que tes adversaires ont la position, ont l'avantage, et lorsque tu as un Octane qui a décidé de porter toute la ville de Seattle sur ses épaules, derrière ça devient un peu compliqué. Shox, au niveau de ce côté gauche, qui va lui tenter de prendre quelques petites informations, va toucher personne à cause du trophy. Attends, on a été intercepté, Proto qui remporte un kill important, là on donne pas mal d'informations. Le B qui va tout de suite être activé. Z qui cette fois-ci va poser cette bombe, 45 secondes pour aller la désamorcer du côté des Surge. C'est peu 45 secondes mais ça peut être une éternité, sauf si Shox arrive à faire un bon travail ici au niveau de l'autre BP. Il va potentiellement arriver dans le dos de ses adversaires, attention Slack à ne pas éliminer son propre coéquipier. Situation compliquée, Slack de Pendure et Apathy, on a déjà perdu Pendure. Slack qui va pouvoir éliminer Z justement, est-ce qu'on va pouvoir enchaîner de son côté? Difficile, Luca qui arrive à... faire fonctionner son sniper là, il va être dans une situation un peu plus compliquée, surtout avec l'aide d'Apathy qui va venir épauler Slacked. 11 secondes restantes, on va devoir tenter des avancées immédiatement. C'est bon, on n'a pas le choix, on est obligé de stick et ça ne suffira pas, quoi qu'il en soit, ça ne fonctionnera pas. La bombe va exploser ou alors on va tomber tout simplement du côté d'un des joueurs des Seattle Surge. On ne prend aucun risque du côté du Parisien et on revient à 4 partout pour l'instant. Une SMD qui ne ressemble pas vraiment à ce premier HP et on sent encore une fois lorsque. Paris utilise des stratégies, on va dire, qu'ils ont un petit peu plus travaillé, qu'ils ont, on va dire, un peu plus réfléchi, j'ai l'impression. On arrive à trouver des failles et on remporte les rounds assez simplement. Il va falloir tenter d'enchaîner comme ça pour éliminer potentiellement aussi ce joueur-là qu'on va voir à l'écran, Octane. 12-4 pour l'instant, c'est bel et bien lui qui porte son équipe. Ouais, et la Slack hein, et Proto qui se sont mis un petit peu au diapason. Pender lui est en train de passer un peu au travers. Et du côté de Paris, c'est Shox hein, qui a sécurisé son 9e kill lors de cette manche. Un petit peu plus de mal pour Dense et Luca. Et on arrive dans les rounds vraiment importants hein. C'est là même le round le plus important de cette recherche et destruction pour s'offrir deux possibilités de balles de map et donc une possibilité de break hein, dans ce BO5 pour Paris. Et malheureusement c'est Z encore une fois qui a poussé très très loin et qui se fait avoir. Alors ça m'agace toujours un peu hein, de voir des joueurs tomber d'une certaine manière et que ce soit répétitif sur plusieurs rounds d'affilée. Et attention parce que là on est toujours bien placé pour Octane à prendre le kill sur Luca qui se met enfin, qui va ouvrir la marque pour les Parisiens. Tu as sur le 4 contre 3 désormais. Oh, et Octane là un petit peu en embuscade qui va décider de pousser. Est-ce que Kismet va l'entendre? Est-ce que Kismet va le voir? Pour le moment, on n'a pas d'informations.
côté d'Octane, et qui va finalement tomber. Shox qui va pouvoir prendre la bonne revenge, ou du moins le kill sur Pender, et Shox et Dance qui vont être rage en situation de 3 contre 2. Dance qui a pris le kill, Octane qui malheureusement est tombé, mais a pâti derrière, il lui restait un tout petit peu de vie, et il a réussi à éliminer son vis-à-vis, et Shox qui va être condamné à une situation de 1 contre 2 avec la bombe posée, il va devoir coucher au niveau de ce bâtiment. Il a vu le premier au niveau de la longue, mais malheureusement il va essuyer quelques tirs, il va directement aller chercher le kill au niveau de la river, c'est bien fait. Slack qui vient de tomber, et tout de suite, on se met en mouvement du côté de Shox. Situation d'un contre un, Shox contre Apathy, Apathy contre Shox. Est-ce qu'on va pouvoir le faire du côté de Shox? Oui, on sécurise ce kill, et le cinquième round qui revient aux mains des Paris Légion, qui vont s'offrir 2 balles de map, mais quel travail de la part de Shox qui vient sécuriser, on l'avait dit, il est en forme. Son 12e kill, 3 kills pardon, dans ce round pour propulser Paris au score de 5 à 4, mon cher BRK. Un 10e round qui doit être rondement mené par les Parisiens qui normalement seront en side attack, si je ne dis pas de bêtises. Il va falloir faire très très attention à ne pas tomber un petit peu dans le piège Seattle. Très bien fait de la part de Shox. J'ai envie aussi de noter évidemment le mauvais choix réalisé encore une fois par les Seattle Surge. On a l'info, c'est où va arriver le joueur et on ne push pas à deux. Si Apathy est arrivé sur exactement le même timing que son coéquipier, justement je ne me souviens plus qui, mais prenez ce duel au niveau de cette longue. Derrière, tu es en situation de 2 contre 1 et peu importe, si jamais il arrive à prendre un kill, tu prends immédiatement la revenge. Là, tu restes statique, tu fais deux calls différents et c'est comme ça que tes adversaires peuvent réaliser des 1 contre 2 aussi facilement. Qui se mettent qui va pouvoir lui ouvrir cette manche avec une grosse agression sur Pendure. On est passif, on est pas bon du côté de Seattle Surge pour l'instant sur ce round là. Proto qui va réussir à me faire mentir peut-être ici en réussissant à prendre un bon frag sur Z, la bombée. Par contre, perdu Kismet qui n'a pas pu la récupérer en plus. Il est en situation compliquée là. Kismet, il va pouvoir s'extirper finalement. Bien joué de la part de l'Australien, de la part de l'Américain, pardon, Octane qui va pouvoir repartir. Shox bien positionné, Kismet qui va avoir un rôle là, encore une fois extrêmement important. Proto qui les attend de pied ferme, mais là ça va être difficile à aller chercher cette bombe. On va se regrouper du côté des joueurs parisiens. Maintenant il va falloir soit récupérer cette bombe, soit éliminer les joueurs justement de cette équipe de Seattle. Ça débute bien avec Lucas qui va pouvoir éliminer Proto. Maintenant on sait qu'on a la place justement. Lucas encore une fois qui prend un kill. Lucas le triple ici au niveau de ce bac pour faire la différence. Il ne reste plus qu'à Apathy en vie. Maintenant il ne pourra rien faire. Les Parisiens qui vont aller chercher cette deuxième carte. Quel travail individuel de la part des Parisiens sur ces deux derniers rounds. Lucas au niveau du milieu de ce round, le gros moins 3 et Shox lors du round précédent, le 1 contre 2. C'est parfait, les Parisiens qui remportent cette recherche et destruction 6 à 4 et qui mènent 2 à 0 dans ce BO5. Les Surge qui ne sont pas dedans comme ils n'ont pas été dedans tout au long de cette saison. On n'arrive pas à trouver la différence, on n'arrive pas à trouver les clés du côté de cette équipe des Seattle Surge. Et pour l'instant, ce sont bel et bien les Parisiens qui mènent 2 à 0 dans ce BO5 Bills. Gros travail des Paris Légion qui auraient pu se faire piéger. On l'a vu, hein, cette recherche et destruction a été très serrée. On a eu un Factor X qui porte le nom d'Octane qui est venu poser problème à cette formation de Paris. Mais on a réussi à le canaliser, à mettre en avant ce jeu d'équipe pour essayer de calmer peut-être la seule individualité qui posait problème dans cette équipe des Seattle Surge. 2 à 0 et là forcément c'est tout autre chose dans ce BO puisque à un partout les cartes étaient redistribuées. Désormais Paris n'a plus qu'à finir, on a envie de dire, ce match. Le plus dur a été fait, mais le travail n'est pas terminé pour les Paris Légion qui vont devoir aller chercher cette domination, mon cher Bert. Il faut terminer le travail, tu l'as dit justement, on a fait le plus compliqué, on a remporté les deux premières cartes, on est dans une situation vraiment plus agréable, évidemment, cette fois-ci. On a une équipe qui a plus le dos au mur que vous, si vous voyez ce que je veux dire. On est passé de l'autre côté du mur carrément, là du côté des Seattle Surge. On est mené 2 à 0 dans le match qui peut éventuellement les emmener justement vers cette porte finale et sortir par la plus petite des portes sur le premier match du Coach Homme du côté de ces Seattle Surge. On sait que c'est globalement un format qui va faire parler, bien sûr. Mais est-ce que finalement Seattle Surge mérite une seconde chance vu leur niveau pour l'instant, mon cher Dim? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, on est quand même sur une équipe qui n'a pas trouvé justement son rythme de croisière, qui a fait des changements tout au long de la saison, qui n'a
malheureusement jamais fonctionné. On verra ce que ça donne sur le prochain opus. Pourquoi pas, évidemment, ces joueurs, en tout cas cette équipe sera là. Les joueurs, je ne sais pas. Je pense qu'Octane, on va le revoir, bien évidemment. Mais il y aura beaucoup de questions pour cette off-saison. Surtout, une question à se poser, c'est est-ce qu'on peut rester en vie dans ces CDL playoffs du côté des Seattle Surge. Ce sera juste après la petite pause. D'ici quelques instants, on aura la réponse. Restez bel et bien présents avec nous. À tout de suite. Before we kind of even dive into things, we got to take a look at a few interesting conversations that have been going down over on Twitter. It's our Astro Social soundboard. Oh boy, this is a pretty fun one. As you guys can see, this is Zed's tweeting at Maven and Joe, basically saying, eat your words, Paris Legion. Now, to give a little bit of context, essentially, pretty much Joe and Maven had tweeted out a few, or not tweeted, but they had kind of predicted a few different things. And me. And Nameless as well, about how they thought LAG was going to take down Paris. Does not happen. Oh, man. Definitely some interesting conversation. We'll go and continue on with the thread a little bit. What Zed ends up replying to his mom and says, Mom, we gotta prove ourselves before you can start throwing some shade here at the talent. And then after that, I love this reply, by the way. I love this reply from his mom. His mom, after this tweet, then goes on to say, then bloody just do it. Too much pressure here for us all. So it looks as if maybe some pressure coming through from Zed's mom. Obviously, it's great to see, but Nameless... PlayStation 4, the official platform partner of the Call of Duty League. Scuf Gaming, the official controller of the Call of Duty League. From Paris, France, this is the Legion! They're firing together as a unit. It's just a wall of bullets there from the Paris Legion, as they will hold the line. Stand with the cluster! Luka with the challenge! The third in a row for Paris! This could not have been a better setup now for the French. I love it. His man is on fire. He's in a great position. Shox has got two. Paris have just gone and stole another round. Two points needed, but they've got to get a massive break. So much pressure to steal this map one. Can they get it done so far? The kills to FaZe, but now Cammy and Kleenex looking for the entries. Cammy trying to get more damage in. The back spawns now there for Ultra. They'll have the numbers just for a moment. In they go, in they win. Ultra get it done to take the map one. It's been optics set up early, but it just hasn't been that clean. Like, Huntsman have gotten entry kills. They've been aggressive. They've gotten them out of the point on multiple occasions. Yes, Optic are able to bounce back on this particular hard point, but still so much work to do. Draza, a madman. Yeah, but does Mage Maniac get off the bomb? Yep. Does he get off of it? He does. And he has time. One versus one. Just going to get the plant down. Method's trying to track across the map to get no there. Daddy. Yep, he's running no trophies. Daddy. No dead silence to use. Major Maniac. Methods. Who's gonna clutch it? He's just gonna stick it. He's just gonna hop on it. Will Major Maniac get the check? So why not? Will Major Maniac get the check?
The defuse is through! He doesn't check it! Method sticks it! What are these rounds? Scump continuing. That's gonna be his second. He quickly wraps around for what could be the third. Has to wrap around. He loses all the ammo. And now it's gonna be up to Cammy. Can Cammy walk away with it? Just a few seconds left. Scump and Envoy staying alive, not trying to give him any information to feed off of. He instantly hops on the defuse, and it should be a quick ending to this round. Can Scump get in here in time? And he does! A big win for Chicago. Priesta makes it a 2-versus-2. Can they find Priesta's the opening? Got 3 on the round. Priesta's got 3 on the round. What else can he find? 25 seconds, 7.5 seconds to defuse. Here goes Major Maniac. It's Kleenex to deal with. He finds the opening. It's 1v1. It's 1v1. And Methods clutches again. Justement, top plays de la saison. Justement, Paris Legends contre Seattle Surge pour l'instant. 2-0 en faveur des Parisiens. Il va falloir repartir de plus belle pour ces Seattle Surge. On est dos au mur. On n'a jamais été plus dos au mur que ça. Tout simplement, si on perd la prochaine carte ou une des trois suivantes, on repartira à la maison du côté des Seattle Surge. Et ce sera terminé de leur première saison des CDL, de la CDL League, bien de la CDL, pardon. Tout simplement, il va falloir voir si on est capable justement de leur côté de rebondir. C'est clairement pas la chose que tu as envie de montrer pour cette saison inaugurale justement du côté des Seattle Surge et du côté de ces joueurs. Sortir justement sur ce premier match, partir par la petite porte, je vais y arriver. Très compliqué à imaginer après peut-être pour ces joueurs-là d'avoir une chance sur la seconde saison. On sait que ça va être évidemment beaucoup de choses qui vont rentrer en compte, mais on sait que ça va être difficile pour eux de récupérer une place si jamais on a montré qu'on n'a peut-être pas été justement dans les meilleurs joueurs de la première saison. Mon cher Dim, je sais pas ce que t'en penses, mais il va falloir montrer un bien meilleur visage en tout cas si on sort maintenant du côté des Surge. Il va falloir montrer un meilleur visage parce que forcément on attend mieux, hein, ces équipes-là le savent. Les deux dernières équipes de ce tournoi, à savoir le perdant de ce match et le perdant de Los Angeles Optic Gaming face à Los Angeles Guerrillas, vont repartir tout simplement les mains vides et avoir fait une si longue saison. Arriver difficilement au champ pour ensuite se faire 3-0 par une équipe en plus qui a quand même été, il faut le souligner, un longtemps sujet de moquerie aussi dans cette ligue avec cette streak de 9 défaites d'affilée. C'était un peu la win facile pour tout le monde. Paris, eh bien aujourd'hui on se rend compte que voilà, on a quand même travaillé du côté de Paris, on a essayé de préparer cet événement au mieux et pour le moment ça débute de la meilleure des manières pour nos Parisiens qui, on l'a dit, mènent 2-0 dans ce BO5 et qui commencent cette game de domination avec une bonne situation de 2 cap. On va même essayer d'aller cancel le C pour aller chercher une situation de 3 cap. Normalement le drapeau B devrait être récupéré assez rapidement par les Seattle Surge, mais attention parce que Shock c'est un petit peu en sneaky beaky like. Là il va pouvoir se faire plaisir avec un premier kill directement sur Pender. Est-ce qu'il va pouvoir aller sécuriser le deuxième? Non, mais on ne marque plus de points du côté des Seattle Surge et ce depuis une belle poignée de secondes. Désormais ça va se rééquilibrer puisque le drapeau B et le drapeau C vont retomber entre leurs mains, mais on a tout de même réussi à aller hit presque la barre des 20 points du côté des Paris Légion. Cette fois-ci ce sont bien les Seattle Surge qui ont un avantage. Et voilà, beau start de la part des Parisiens qui montrent encore une fois beaucoup d'envie dans ce début de domination. Ouais, c'est important justement, encore une fois, on montre un gros niveau de jeu, on ne baisse pas le rythme du côté de Paris, on rentre tout de suite et on récupère tout de suite cette zone, on va dire, un petit peu plus simple justement d'avoir le A et le B. C'est, on va dire, le setup le plus commun qu'on peut avoir évidemment sur Acne Yard. Il va falloir repartir de plus belle avec qui se met peut-être ici, encore une fois au niveau du milieu de la carte qui arrive à une nouvelle fois éliminer ce jour des Spurs. On va écouter les Parisiens. He was on your middle. Why don't we bottom out? One's gonna hit the He's on B. I'm hitting middle.
Ouais, pour l'instant, c'est Valérien là qui nous montre un beau visage. Je vais reprendre mon Dims avant de te lancer, excuse-moi. On sait pas, Lydie, c'est la reprise, bien évidemment. Mais Smet et ses coéquipiers, pour l'instant, qui sont en train de nous montrer encore une fois un beau visage. Dims, je sais pas ce que tu en as pensé. Pour l'instant, on arrive à récupérer ce A et ce C. Un petit peu, on va dire, inhabituel, mais pour l'instant, ça fonctionne bien pour Paris. Ouais, ça fonctionne très très bien, on l'a vu, une belle communication, on est assez fluide, on fait le travail et toujours une situation de deux caps qui est bien gérée. Généralement, on voit plutôt des situations AB ou BC. Là, c'est un contrôle de ASC, ce qui fait qu'on essaie d'enclaver un petit peu hein, ces joueurs des Seattle Surge au niveau de ce mid-map. Malheureusement, ça n'a pas duré puisqu'on a réussi à aller récupérer ce drapeau C pour les Seattle Surge, mais on s'est tout de même offert un solide matelas d'une bonne trentaine de points d'avance là, hein, pour cette équipe des Paris Légion, on le sait, hein. 30 points, c'est quelque chose en domination. Puisque si je dis pas de bêtises, en situation de 2 caps, c'est 3 minutes, c'est 12 points par minute. Si les calculs de nos amis Pierrot et Brésix sont exacts, et forcément là, l'écart qui se creuse et même une situation de tricap qui va être poussée par les Parisiens, c'est très bien fait là de leur part puisqu'on va totalement cancel ce drapeau. Ça, on va même pas prendre le risque de rester sur ce drapeau pour pousser la tricap. On va partir un petit peu en catimini comme ça juste pour continuer à gratter des points sans que l'adversaire ne puisse en récupérer. Forcément, on fait perdre énormément de temps à cette formation des Seattle Surge qui a du back ce drapeau C qui va finalement réussir à cancel et peut-être à sécuriser ce drapeau B, mais voilà, il reste une poignée de secondes et l'écart est rendu à une quarantaine de points désormais entre ces deux formations. Pour le moment, mon cher BRK, un premier side offert par les Parisiens qui sont absolument dans le coup, ils sont concentrés, ils sont dans le rythme et ils nous montrent un très très bon niveau de jeu aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on va terminer ce side à plus 37, quelque chose comme ça, à peu près, quoi qu'il en soit, on est plus 35, on est bon du côté parisien, on est très solide et justement ça va leur permettre de continuer sur la bonne voie. On nous a montré un très très gros point stratégique, on a été un petit peu plus fébrile en SND, peut-être pas une map sur laquelle ils étaient extrêmement on va dire à l'aise, mais quoi qu'il en soit, on a réussi à faire la différence. Derrière, il va falloir montrer que sur le second side, on peut repartir de plus belle. Là, pour l'instant, cette fois-ci, ce sont bel et bien les Surge qui vont débuter du bon côté. Donc, c'est faisable hein, du côté des Surge. Si on arrive juste à garder le A et le B pendant pas mal de temps, on devrait pouvoir repasser en tête. Mais on sait à quel point ça peut être compliqué sur cette carte-là si les Parisiens viennent à remporter les duels, on va dire, un peu simultanément. Donc, compliqué, évidemment, pour les Surge, mais pas impossible sur ce side, on le sait. Donc, il va falloir repartir de plus belle. Pour l'instant, ouais, c'est ça, 35 points d'écart entre les deux équipes maintenant. Et Proto qui arrive à tenir ce B. Justement, attention, il y a eu un duel de remporté là, il me semble, du côté justement du numéro 2, c'est Kismet qui est plutôt juste à côté d'un joueur, mais les joueurs ne se croisent pas pour l'instant. Octane qui va venir aider, épauler ses coéquipiers. Pour l'instant, les Parisiens ne trouvent pas la faille. C'est en la faveur de cette équipe, justement, des Seattle Surge, Kismet qui est un peu esselé, qui va tomber que du bleu pour l'instant dans la kill feed pour peut-être nous permettre de voir un peu plus, justement, de ces Seattle Surge lors de ce tournoi. En tout cas, on va pouvoir espérer de leur côté, seulement espérer, il va falloir remporter beaucoup de duels et surtout ne rien lâcher dans cette domination pour en espérer quelque chose. Quel headshot de la part de Z, compliqué le duel qu'il vient de prendre. Pourtant c'est bel et bien lui qui arrive à faire le travail. On va peut-être justement libérer cette zone B et en plus neutraliser le A du côté des Parisiens. C'est très bien négocié, ça pourrait coûter très très cher à cette équipe de Seattle Surge. Et on vient seulement d'assister à la cinquième mort hein, de Dens qui est en 15-5 pour le moment. Il est en train de surfer sur cette carte. Mais voilà, les Seattle Surge, comme tu l'as dit, qui sont rentrés dans ce second side avec de bien meilleures intentions. Et on le voit, on a réussi à pas mal réduire l'écart hein, pour le moment. On est quasiment arrivé à une trentaine de points d'écart désormais entre les deux équipes. Et là, malheureusement, c'est une situation de tri-cap qui va s'offrir sans doute au moins de deux caps avec un cancel. Voilà, pour les Seattle Surge, il va falloir réagir côté parisien. Là, on sombre un petit peu sous les divers assauts des joueurs de Seattle et voilà, on va aller récupérer tranquillement ce drapeau B, du moins on a été le cancel, mais
Les Seattle Surge qui s'activent sur ce drapeau A. Il va falloir faire le travail du côté de Z qui va pouvoir mettre énormément de dégâts. Octane qui va pouvoir sécuriser ce drapeau B. 111 à 94. On patauge un petit peu côté Paris, mon cher BRK. Les Seattle Surge menés par un Octane, certes, qui n'est pas dans un cadet de 2, mais qui est toujours dans le bon tempo et qui fait les kills toujours importants au niveau des points. Alors que là, Luca, lui, prend un petit peu plus loin. 7-14 pour lui. Le drapeau qui est en train d'être cancel et sécurisé par Kismet. Et là, c'est important parce que ça va forcer forcément les Seattle Surge à back. Mais voilà, on manque un petit peu de soutien. Ce ne sont que des actions solitaires pour le moment du côté des Parisiens. Et le problème, c'est que ça ne suffit pas pour aller déranger ces Seattle Surge. Et voilà Luca qui a été faire un double kill très très important. Et on va pouvoir aller sécuriser peut-être ce drapeau B du côté des Parisiens après avoir subi pendant la majeure partie de ce second side. Les deux premières minutes 30 qui ont été très très compliquées pour les Parisiens qui vont enfin s'offrir une situation de 2 cap. Mais ils n'ont plus que 13 petits points d'avance. Z au niveau de ce mid-map qui va avoir fort à faire. Il va pouvoir prendre le kill sur Apathy, c'est bien fait. Il ne pourra pas se défaire de son adversaire. C'est Octane qui est arrivé en bon flanking. Slack au niveau du mid qui lui aussi le seul joueur en négatif dans son équipe pour le moment. Slack qui va pouvoir prendre un kill. Il va tomber tout de suite sous les balles de Kismet Pender qui accélère. Et la situation de 2 cap qui va s'arrêter pour les Parisiens. On reprend les commandes du côté des Seattle Surge. Le retard est à refaire. 17 points d'écart désormais entre ces deux formations et les Paris Légion qui vont devoir essayer de tuer ce match. Puisqu'ils ont réussi, on le rappelle, à s'imposer en point stratégique et en recherche et destruction. Mais mon cher BRK, c'est assez compliqué. Je pense qu'on va avoir le droit à une minute 30 assez mouvementée. Ouais, ça peut être éventuellement la dernière minute 30 de cette équipe des Surge justement sur ce jeu. Donc il va falloir tout donner, ils sont en train de le faire justement pour tenter de revenir à égalité sur ces Parisiens. Il va falloir faire la différence du côté de Paris, on sait que ça ne suffira probablement pas et on est en train de le faire. 3 joueurs en A mais 2 en C en train de neutraliser, de récupérer ce point. C'est très intéressant, les Surge qui doivent prendre des décisions alors qu'ils sont dos au mur. C'est très compliqué dans cette situation-là de faire le bon choix. Si jamais on se trompe, si jamais on ne remporte pas les duels, ça peut être catastrophique. Octane, lui, il n'a pas l'habitude de les perdre les duels, donc il va pouvoir remporter celui-ci. Il va falloir enchaîner, remporter les duels. C'est bien fait au niveau du C. Là, il y a un joueur qui vient de prendre un duel extrêmement important. Il s'agissait de Pendure qui a pu éliminer son vis-à-vis. Les Parisiens qui vont devoir se rabattre sur le B. Mais on est en tri 4 pour l'instant du côté des Seattle Surge. C'est très positif pour eux. Et ça va être difficile maintenant de les éliminer et de faire la différence. Luca qui va peut-être réussir à le faire. Le C qui devrait être récupéré par les Parisiens. Sauf si Brandon n'entend pas cette oreille et il ne l'entend pas. Il est un peu sourd justement au niveau de ce C. Il arrive à faire la différence. Très bien joué. Pendure qui va pouvoir enchaîner maintenant qui se met. Qui va enfin pouvoir l'éliminer, mais c'est de très bon augure pour ces Seattle Surge qui sont en train de le faire. Bon Dims, 30 secondes à venir avec pour l'instant léger avantage en termes de cap du côté de ces joueurs des Surge, mais il va falloir aller chercher ce B notamment. Allez, ça va être compliqué, le B va être le théâtre de tous les affrontements et attention pour les Paris Légion qui ont mené toute la game et qui là se font déborder par des Seattle Surge qui sont en train de revenir. On a récupéré le drapeau A, le drapeau B, attention pour les Parisiens qui sont en train de canceller la choc avec un gros double kill qui va mettre énormément de pression sur ses adversaires et qui normalement va permettre aux Paris Légion au bout du bout de condamner les Seattle Surge qui sont d'ores et déjà éliminés, mon cher BRK, de cette Call of Duty League. Les playoffs qui s'arrêtent pour les Seattle Surge qui avaient fait un second side d'une qualité monstrueuse, mais qui n'ont pas su passer le mur de Paris Légion qui avait pris une grande avance, on le dit, 40 points d'écart à l'aube de ce second side. Et finalement, c'est 3 petits points qui vont séparer ces deux formations. Le travail est fait pour la garde parisienne, pour la Légion parisienne qui vient s'offrir un petit peu plus de rêve dans cette Code League. Ils vont au prochain tour et ils condamnent les Seattle Surge à un top last cette saison. On le voit au visage, Apathy, Proto, Slack, Pender, Octane ne sont pas là, mais à mon avis, les mines sont tout aussi grises. Le premier éliminé de cette Code League est connu, et les Seattle Surge qui, malheureusement, respectent leur seed. 3-0, c'est sec, ça fait mal. En fait, tu pars sur vraiment en 30 minutes, ta saison est terminée et tu n'as rien pu faire sur l'HP. Ça a été un petit peu plus serré sur la SND et sur l'HP, sur la domination, on termine quand même sur quelque chose de plutôt, on va dire, positif dans la défaite. Entre guillemets, on a failli revenir, mais ouais, non, ça a coûté trop cher. Ces Seattle Surge n'ont pas été une équipe solide tout au long de sa saison et ça se montre une nouvelle fois. En tout cas, ça a été une grosse déception, je pense, de leur côté cette saison. Il va falloir oublier, tenter de repartir de plus belle, tenter de peut-être aller
justement pourquoi pas voir ce qui peut se passer dans d'autres franchises, espérer quelque chose pour ces joueurs, mais là ça a été très très compliqué tout au long de la saison et malheureusement la mayonnaise n'a jamais vraiment pris. Karma est même parti justement. Est-ce que c'est la faute de Seattle? Je ne pense pas, je pense que Karma avait fait un peu le tour de la question, mon cher Dims, mais quoi qu'il en soit, là on part vraiment même pas par la petite porte, mais par un trou de souris. Là, clairement, c'est assez décevant du côté de cette équipe des Seattle Surge qui vont s'en vouloir. Je pense peut-être une des saisons les plus décevantes pour ces cinq joueurs en tout cas. Malheureusement, ça a été compliqué. On peut penser notamment à Apathy, qui est un joueur avec énormément d'expérience, qui est champion du monde, qui a connu beaucoup de choses, qui a connu justement beaucoup de réussites par le passé. Justement, il est à l'écran. C'est lui qui a eu le play of the game, mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. C'est plutôt d'ailleurs, on est sur la vue d'Apathy, mais c'est surtout lui qui est tombé à ce moment-là. Et lorsqu'il tombe sous les balles de Shox derrière, ça devient trop compliqué, bien trop compliqué pour les Seattle Surge. La bonne couverture de Dance, les Australiens qui ont fait le ménage ici à l'intérieur de ce point. Et on peut terminer là-dessus. Ce sera les dernières images justement des Seattle Surge que nous verrons en direct, malheureusement. Et il va falloir justement espérer que du bon pour eux, en tout cas on l'espère pour la saison prochaine. Il va falloir nous montrer un autre visage pour ces joueurs. Octane, je pense qu'on risque de le revoir dans une autre équipe lorsqu'on aura un peu cette zone un peu de mercato, etc. Je pense qu'on risque de voir Octane peut-être, on va dire, dans les noms, pourquoi pas, les plus cités à ce moment-là, je pense, Dims. Et oui, exactement. En tout cas, c'est de bon augure. Hein. On est très content pour cette équipe de Paris. Il y avait beaucoup de points d'interrogation avant l'arrivée de ces playoffs. Et forcément, le fait de voir nos Parisiens arriver si bien dans cette compétition, il faut le rappeler, avec un HP qui était remporté d'une main de maître derrière. Certes, deux cartes beaucoup plus disputées, mais qui ont été aussi le théâtre d'une vraie force mentale de la part de ces Parisiens de ne pas lâcher, de ne pas craquer au moment où peut-être parfois en saison régulière, il y avait cette petite bascule. On n'arrivait pas à garder un résultat, et bien ça a été chose faite pour nos Parisiens qui ont réussi à aller chercher leur première victoire, et qui plus est avec la manière, avec un joli score de 3-0. Ouais, très très bien fait. En tout cas, comme tu l'as dit, c'est vraiment de bon augure, et ça va leur permettre justement de bien se lancer dans ce tournoi. On sait qu'on est toujours dos au mur, on va devoir faire ce run du loser bracket, et si on peut aller au bout, on peut toujours y croire. Évidemment, du côté de Paris, on va dire, on va prendre match par match, bien évidemment. Je pense que c'est la chose qui va nous être dite, hein, quoi qu'il en soit, par justement le joueur qui va être interviewé par la suite. Mais faut prendre match par match, il faut espérer, on est en loser bracket, chaque erreur, on va dire, va coûter très très cher, chaque duel perdu va être décisif, chaque duel gagné aussi va l'être, donc il va falloir être solide, évidemment, du côté de ces Parisiens, et espérer quelque chose pour la suite. Pour l'instant, on va dire 3-0, ça leur permet de suivre un petit peu ce qu'ont fait leurs homologues au football il n'y a pas si longtemps que ça, et ça leur permet de rester un petit peu en vie, justement, dans ce tournoi. Il va falloir espérer, avant, justement, cette bataille de Los Angeles à venir. On va voir, justement, où est-ce qu'on en sera du côté des Guerrillas et des Optiques. Si on peut rapidement, peut-être, nous afficher le bracket avant d'écouter, justement, Z en interview, si vous l'avez dans la poche, comme ça, hop, du côté de la régie. Voilà, c'est parti, bien évidemment, comme d'habitude, au top. Les Legends, évidemment, qui ce n'est pas mis à jour, bien évidemment, on ne peut pas tout faire instantanément, mais vous l'avez compris, les Legends qui avancent et qui iront probablement affronter le perdant de Subliners Rockers, si je ne dis pas de bêtises. Et derrière, justement, on va avoir ce deuxième match de la soirée, Optic Gaming face à Guerrillas, qui risque d'être un beau match, qui va vous être présenté justement par Sacha et Brizik. Ça risque d'être un match vraiment ultra intéressant à suivre, cette bataille de Los Angeles, mon bon Dims. Ça va être très intéressant à suivre, parce qu'on a quand même une équipe voilà, un petit peu presque oubliée, presque déjà éliminée, hein, dans la tête de tout le monde, à savoir les Los Angeles Guerrillas, qui voilà, se sont un petit peu fait marcher dessus tout au long de la saison. Et puis on a une équipe qui a tout à gagner, qui doit reconquérir aussi le cœur de ses supporters. On le sait, hein, le Green Wall, les Optic Gaming qui doivent mieux faire, qui ont une place et un seed, je pense, assez décevant aux yeux, bah voilà, du caractère historique de cette équipe. On a eu beaucoup de changements, l'arrivée de Drazaiolo très tardivement dans la saison pour aller conforter un roster qui était en plein doute, Chino qui est revenu lui aussi en cours de saison, TJ Ali et Quavo qui n'ont plus ce statut de jeune rookie et qui doivent aussi voilà commencer à prendre les choses en main et porter leur équipe vers la victoire. Et forcément, je pense que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas une confrontation facile pour ces deux équipes.
Je vois personnellement Optic Gaming s'imposer. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher BRK, mais j'ai l'impression que le gap est assez élevé, pardon, assez grand plutôt même entre ces deux équipes. Ouais, je suis assez d'accord, je te rejoins là-dessus. Je pense que là, ça va être très compliqué. On est sur une équipe qui a aussi perdu, on va dire, un grand joueur cette saison, X qui est parti, qui soit ne performait plus, soit était un peu satisfait du jeu. Et je pense qu'il y a c'est un peu des deux, hein, dans ces cas-là. C'est pas tout blanc ni tout noir. C'est toujours, on va dire, un peu différent. Et ça, il va falloir justement voir comment on peut rebondir pour ces joueurs. Vous avez vu à l'écran, justement, les différents vainqueurs des événements Challenger. Justement, on a vu d'abord les joueurs d'Australie, mais plutôt de la région Océanie, pardon, et Asie, qui ont été justement ces Renegades qui ont remporté ces décès du côté des Européens. On a vu évidemment la Team War qui a dominé très longtemps cette saison, justement, qui a pu confirmer lors de leurs petits champs, entre guillemets, aux Challengers. Ça a quand même pas mal de cash à se départager, donc ça se prend du côté de ces équipes. Et derrière, aux États-Unis, il s'agissait de l'équipe Triumph, menée notamment par Fellow, qu'on a déjà vu tout au long des années de Call of Duty, qui, pourquoi pas, justement, grâce à ces performances-là, va pouvoir, on va dire, connaître de nouveau la CDL l'année prochaine. On verra ça d'ici quelques instants. On va partir en interview, justement, on va aller écouter Z pour voir d'ici, je regarde rapidement où est-ce qu'on est. Ok, on va pouvoir aller écouter Zed justement, qui va nous parler de la victoire des Paris Legends. Coming into playoffs, your guys' game one hardpoint record hasn't been the best, 9-17, but you guys come out and look absolutely fantastic, especially on the first set of rotations. How important was it to come out strong versus Seattle, especially in that game one? I mean, as I said, like in previous interviews, hardpoint has been our like weakest game by miles, so that's just something we've been working on, like, the last month or so we've had. And, like, Gunrunner especially has been a map we've not been good at all year. So to get better at these hardpoint maps and have, like, a wider, like, pool to play with the veto process and everything, it just helps us, like, a tremendous amount, which showed, really. Now, in terms of the S&D, right, there was a lot of pressure, I think it's fair to say. The casters were kind of bringing it up. It's like whenever you guys won that game one hardpoint, it was instantly on the Surge, right? The pressure is now kind of on them. They're, I guess you could say the history of them on this mode hasn't been great. It's been pretty much a solid one for you guys as of late. Yeah. And we saw a number of, different clutch moments throughout the Search and Destroy, but none more important than the 1v2 from Shox in round 9. Tell me, what do clutches like that do for the team's confidence? I mean, having such a good S&D record is always going to be hard to, like, upkeep because people are just going to, like, counter and they know what you do. Right. So it's going to come down to them clutch moments in the end. And we've been really good at clutching, like, the last couple of months. So, I mean, I'm gassed for him. He got a nice 1v2 there, so I'm sure his confidence is high. Now, I got to ask you, Zed, your mom, obviously, we were talking about it at the start of the series. Your mom has been super vocal all year long, or at least kind of toward the ending stretch on social media. And she was especially hyped coming into the series for you guys today. Tell me, how great is it to have that family support, especially coming into an event like this? Honestly, it's amazing, man. I flew her out to Champs last year, so she was able to watch that in person. So just she messaged me every day asking how we're doing in practice and stuff. And she loves it, so it's a good thing to have, really. Definitely. Well, I tell you what, got last question here for you. You guys obviously finish off second place at the London Home Series, have a great 3-0 here versus the Surge. What's it going to take from the Paris Legion to keep this loser's bracket run alive? I mean, I talk to Denz every night, and we said, like, we agreed, like, Seattle's going to be our hardest series. Like, if we can overcome Seattle and just have that win behind us, we're going to be a really hard team to stop. So our next game is against London or Toronto, and I feel like we're a better S&D team than both of those teams. So, again, if we can just keep our respawn, we have a couple of days now until we play, so we can sit back, relax, watch some games unfold, and decide on what we want to do. That was your instant reaction brought to you by PlayStation. Zed of the Paris Legion joining us. Thanks so much, buddy, and congrats again on the win. Thank you, thank you. Absolutely. Well, we are only halfway through day number one of the CDL playoffs, but when we come back, the CDL playoffs will only return. We'll be right back.